Eh bien, yo tout le monde, c'est Nightwar, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty. Donc BO3, donc voilà. Je vous avais dit que j'allais retourner un petit peu sur BO3, bah j'y retourne un petit peu. En ce moment, bah oh, la partie a déjà commencé. En ce moment, il n'y a pas beaucoup de vidéos, que ça soit sur... ah bah si, qu'est-ce que je dis? Si, en ce moment, il y a extrêmement de vidéos sur Naruto, mais pas beaucoup sur... Oh putain, ils ont tous des putains de mitraillettes. Ouais, j'arrive au mauvais moment. En fin de partie. Il y a un mec là-bas. Non, il est mort. Putain. Bah ouais, bah. Ça sert à rien du tout ce que je fais. Là 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 là, ça commence très mal. Faut que je trouve une partie en fait qui n'a pas commencé, ça serait pas mal. Putain, il se casse un peu. Oh yes, au moins j'ai fait une kill. Bon allez. Et par derrière, et ça j'aime pas ça. Ça par contre c'est le truc que je déteste le plus dans Call of, c'est se faire tuer par derrière. Parce qu'en face... C'est à peu près les gérer, mais par derrière, mais oh là là. Oh putain! J'ai arrêté de respirer là. Ah, au centre, il se passe des trucs là. Oh la vache! Par derrière encore. Le mec de derrière qui m'a tiré dessus. Salut, j'arrive par derrière mon pote. Ah, au couteau, il va avoir les points américains. Les points tout court. Il est où, il est où? Oh la vache, mais attendez pas du tout. Ah, ça fait plaisir de retourner en jeu d'armes. Ah, le premier là, s'il fait une kill, on est dans la merde. Hop, je savais pas si c'était une impulsion ou pas. En tout cas. Oh la vache, je savais plus où aller. Ça va, on rattrape bien quand même. Merde, c'est la Sheva, putain. Oh, j'ai eu de la chance que le mec... Enfin non, c'était pas la Sheva, c'était la... Je sais plus quoi. Putain, au moment où qu'on se chauffe, la partie se termine. Pas grave, on va relancer tout de suite. Oh là là. Au moment où je commence à me chauffer un petit peu là. C'est pas grave, c'est pas grave. Au moins on va recommencer une partie dès le début. Oh, ça fait du bien en tout cas de retourner sur BO3 encore une fois. A chaque fois que je vais sur BO3 de toute façon c'est des retours tellement que je passe de temps sur Naruto. Enfin c'est pas que je passe tellement de temps sur Naruto parce que je joue pas tellement, j'ai pas tellement de... Bah j'ai dû faire quoi, une vingtaine, une trentaine de parties en ligne. Mais c'est que je fais beaucoup d'astuces, beaucoup de vidéos, beaucoup de... Voilà quoi, il y a vraiment de beaucoup. Mais là je vais recommencer un petit peu beaucoup de jeux d'armes je pense parce que c'est bien marrant. Ouais c'est bien marrant les jeux d'armes, je pense que je vais faire plein de jeux d'armes. Hein. Parce que c'est vraiment stylé. Ensuite, bah voilà, en mars, je reçois mon micro. Parlons manga, il y en a bientôt un qui va sortir. Je l'ai pas, j'ai pas encore fini de le tourner, de faire les montages, tout ça. Mais c'est Terraform Mars. Donc je vous le dis en avance, hein, il y aura un Terraform Mars. Non, 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 ok. Non. Donc lui, je vais le muter. Non, 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 non. Voilà. J'avais pas l'habitude de muter les gens parce que j'ai pas l'habitude de faire des vidéos sur Call of. Donc ouais du coup je vous disais Terraform Mars, il y a une vidéo de Parlons Manga qui va sortir de dessus. Mais après faudra attendre quand je reçois mon micro pour les vidéos Terraform Mars. N'importe quoi. Pour les vidéos Parlons Manga parce que bah tout simplement il y aura une meilleure qualité de son. Et ça fera beaucoup mieux dans les Parlons Manga. Parce que Parlons Manga c'est pour parler du manga, pour se détendre, pour voilà quoi. Et avec la qualité de son du beurre du M1 et bah voilà tout simplement ça sera beaucoup mieux je pense et ça sera de beaucoup plus belle qualité.
Voilà. Donc encore sur combine, on va refaire. J'espère la gagner celle-là. Nouveau truc, yes. Hop, on va le mettre. J'espère la gagner celle-là. Il y a un level 104. C'est pas parce qu'il y a un level 104 qu'on va pas gagner. Moi je te le dis. J'arrive avec mon petit flingue là. Déjà je suis arrivé, tout le monde avait la mitraillette et tout. Bim bim, je les ai tous baisés. Bon allez. C'est parti mon kiki. Le petit chargement au KLM. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de ma bannière en haut, hein, parce que bah, je l'ai rajouté, mais je l'ai changé parce que je trouvais que l'autre faisait un petit peu trop gros, du coup j'ai mis une un petit peu plus petite et un petit peu plus... Oh stylé l'emblème. Breaking Bad. Ah stylé. C'est stylé. Moi j'ai fait un vieil emblème Victory 5. Oh putain, honte à moi. Honte à moi. Putain. Oh putain, il avait les deux armes. Ou s'il avait pas les deux armes, il tirait vite en tout cas cet enfoiré. Ah putain, mais à chaque fois je tombe contre des mecs qui ont des meilleures armes que moi. Viens au petit flingue mec, viens. Voilà. Hop, je me casse d'ici parce que je suis au mid. Et au mid, c'est pas vraiment très intelligent d'y être. Oh putain, oh, je sais même plus comment, je sais même pas comment appeler ça. Putain, comment ça se dit? Le recul, voilà. Le recul du petit pistolet, sa mère, mais il est tellement nul. Ah j'ai peur. Putain. La pression quand t'es en haut là. Oh putain, on avait tous les deux le fusil à pompe. Bon bah je suis pas vraiment un boss hein. À vrai dire. Putain mais mec, oh. Le mec il joue déjà, on sent de sensi. Voilà. Level 107, il a bien geeké le mec. Putain mais mec, oh. Hop, on va aller là-bas. Ah, mon âme de rageur refait surface. C'est vrai que je suis un rageur, hein, surtout sur BO3 en même temps, les mecs. Hein. À vrai dire. Ce jeu est stylé, mais c'est le jeu qui me fait le plus rager. Hein, normal, en même temps, quoi, toutes les beats qu'il y a sur ce jeu. Tu te dis, oh là là. Comment ils font pour faire des jeux comme ça? Mais qu'il y ait des beats pareils. Bah, tu vois les kikous aussi. Oh putain le seum. Can you regain? C'est bon la mitraillette. Hop. En fait moi c'est à partir de la mitraillette. Hein. À partir de la mitraillette je remonte tout moi. Je suis un baiser. Là-bas. Oh putain, je me suis fait tuer. Mais j'ai eu la nouvelle arme. Oh, tire-tête. Parfait tout ça. Hop. On retourne en arrière. Non, il y a un mec là. Non. On va aller au mid. Ah putain. Et le mec, il est arrivé devant moi. Il a fait petite glissade. Il a fait non, je te veux pas toi. Sympa le mec. Putain, je le voyais pas avec le viseur. Oh non, j'attendais comme un gros bâtard avec ma Gordon là. Laisse tomber l'arme trop lente. C'est un truc de ouf. Par contre, tu mets deux balles, c'est bon. Mais putain, mais lui, il se cache dans les coins tout le temps. Hein. Eh, c'est un truc de ouf, hein. Oh mec, hein, et t'as pas de vie. Arrête de jouer. Elle est morte.
Hop, sniper, c'est ma prédilection, les mecs. Par contre, sniper à la mire, j'ai envie de te dire, c'est pas trop mon truc de prédilection. Ah bah, pourquoi j'ai rétrogradé d'une arme? Oh. Eh hey, mec, j'ai eu un petit problème là. Oh mais non, mais vas-y, mais nique ta, voilà quoi. Tu m'as compris. Oh, 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 oh. I. 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 Oh non. Putain, non, 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 non. Eh mais c'est pas possible, j'ai rétrogradé d'une arme là. Oh la vache. Bon bah voilà, ça m'aurait bien fait marrer là. Je pense que je vais continuer un petit peu les jeux d'armes. Voilà, en tout cas je vais me barrer de ce truc parce que le level 104 là. Quoique, non, je vais rester là. Bon voilà, en tout cas j'espère que ce retour encore une fois sur Call of en jeu d'armes vous aura plu. En tout cas, bah moi, je vous dis à la prochaine pour mes nouvelles vidéos. Salut, salut!